Et salut à tous, c'est Kishnifu. Aujourd'hui, jour un peu spécial. Pourquoi ? Parce qu'on est le 21 octobre 2015. Nous sommes dans le futur. Et oui, le futur, de retour vers le futur. Ça y est, on y est. Bon, on n'a peut-être pas tout ce qui nous était promis dans le film. Mais ça y est, on peut dire qu'on y est. Il y a eu pas mal de news aujourd'hui sur internet, c'était bien sympa à voir quand même pour un film qui a plus de 30 ans. Il y a même eu Doc qui a fait une apparition dans une vidéo sur YouTube pendant une petite minute et qui nous dit joliment que on n'a peut-être pas le futur qu'on avait vu, mais que c'est à nous de l'écrire et que c'est à nous de faire que notre futur soit le meilleur possible. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc là, vous me voyez sur l'interface de la PlayStation 4. Et je pense que vous avez deviné avec le titre, hein, ce que je vais faire. Je vais tout simplement aller me chercher le DLC de Rocket League. Et le DLC de Rocket League, c'est celui-là. Donc Back to the Future Car Pack avec la DeLorean offerte, comme ça, enfin offerte, entre guillemets, vu que ça coûte quand même 1,99€. Mais il y a la DeLorean et il y a aussi apparemment les traînées qu'elle fait derrière une fois qu'elle est partie dans le futur ou dans le passé. Donc on va découvrir ça tout de suite. D'habitude, je n'achète pas les DLC, surtout quand c'est simplement des costumes ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, ça se détache en deux, hein. Il y a les bons DLC, les mauvais DLC. Le mauvais, c'est celui qui tire. Voilà, regarde pas. Non, je déconne. Non, celui qui est mauvais, c'est celui qui va proposer des trucs un petit peu inutiles. Et celui qui est bon, c'est celui qui peut être utile, qui t'apporte des choses au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau du gameplay. Après, je peux comprendre aussi les gens qui achètent des DLC parce qu'ils sont fans du genre, parce qu'ils sont fans de la série ou quoi que ce soit. Et là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu mon cas, vu que je suis fan de Retour vers le futur et en même temps, je joue pas mal à Rocket League. Donc, ça va autant influencer mon gameplay que mon humeur quand je vais y jouer. Donc, voilà, c'est parti pour l'achat de ce DLC. Bon, je dirais un de mes tout premiers DLC que j'achète. Hein. Donc, je l'achète. On va lancer Rocket League et j'ai même un invité, donc mon cousin, donc qui sera pas ici physiquement, hein, mais qui sera chez lui. Mais on fera un match tous les deux contre d'autres personnes en ligne. Je rappelle, son pseudo c'est WakaMH3 pour que vous puissiez le reconnaître dans le match. Donc voilà, je me le prends et on se retrouve juste après. Et ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est payé. Et encore, je dis payé, mais j'ai vu que j'avais 5€ sur mon porte-monnaie PSN. Je sais pas du tout d'où ils viennent. Je sais pas si ça a été à un moment une promo qui a été attribuée par PlayStation ou je sais pas trop quoi. Donc moi, j'avais préparé ma carte, j'avais tout préparé pour pouvoir faire l'achat de ce DLC. Et finalement, du coup, je l'ai même pas touché. Vu que ma carte, je l'ai pas enregistrée sur le PSN, je pensais devoir m'en servir, mais finalement, non. Donc ça y est, j'ai la DeLorean, je sais pas si j'ai la traînée qui va avec, et là j'ai demandé à mon cousin de m'envoyer l'invite pour que je puisse le rejoindre dans un match, parce que c'est bien beau hein, d'acheter la DeLorean, mais il faut aussi la tester, attendez. Bon, par contre j'espère juste qu'on va pas se téléporter dans le temps en plein match, ce serait con. Voilà, ça y est, il m'a envoyé l'invite, donc du coup c'est parti, je vais le rejoindre, mon petit Waka. Et on va tester tout ça. Ça va être très très excitant. Je sais pas si on peut lui ajouter des couleurs ou quoi que ce soit. Je suppose que oui. Après, c'est comme n'importe quelle autre voiture. Alors après, je dis tester la bagnole, mais ce sera que du visuel. Hein. Rien ne change au niveau du gameplay dans Rocket League, que ce soit n'importe quelle voiture, une grosse, une petite que vous choisissiez. Après, peut-être. Alors là, voilà. La DeLorean. Ah, ce qui change au niveau des couleurs, c'est le contour. Ah, génial. Et du coup, on n'a pas la traînée, alors. Ah si! Oh putain, c'est tout fait pour! Oh, génial! On en a qu'une, mais elle est déjà de base. Oh, mais c'est énorme! Alors là, il me demande s'il lance le match. Je vais lui dire... Ouais, évidemment. Putain, c'est trop énorme. Oh, mais regardez-moi ça. Elle est géniale. Et puis, la traînée...
La traîner avec ça, je pensais pas, je pensais qu'il fallait en choisir une, mais non, 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 c'est vraiment très, 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 très spécifique, c'est-à-dire que même les couleurs qu'on choisit, le bleu ou le orange, eh ben, ce sera simplement cette lignée du convecteur temporel qui sort de la voiture, je crois que c'est ça. Putain, c'est exactement ça, putain, les souvenirs qui remontent, c'est énorme. Pour quelqu'un qui aime autant la trilogie que moi, c'est incroyable. Je vais voir si elle a pas un petit son aussi. Ah, c'est génial. J'entends rien de spécial, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente niveau gameplay. Allez, on va se concentrer, on va essayer de marquer des beaux buts. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus lourde que celle que j'avais avant, mais elle a l'air de faire bien plus mal du coup. Mais le but, là, ça va être de marquer un but. Mais là, du coup, je suis un peu stressé. Putain, elle est géniale, c'est trop énorme. Je suis trop content. Mais bon, allez, il faut que je me concentre, que je joue normalement. Pas de problème, normalement. Voilà. Hop, là, ça s'est fait. Oh oui, ça y est, le premier but avec la DeLorean. Génial. Et il me dit merci. Il me dit Bottir, j'ai dit merci. Pouah, nickel, regardez-moi ça. Génial. Ah putain, ah là, je suis content. C'est ce que je voulais. Je voulais au moins marquer un but parce que je comptais faire qu'un seul match pour représenter un petit peu ça. Et là, j'ai eu ce que je voulais. On va peut-être essayer de se faire un petit arrêt aussi, ce serait pas mal. Voilà, je pense que c'est Waka qui va l'avoir, voilà. Il est toujours là, le Waka. Ouh, là par contre, il va peut-être pas être là tout de suite. Donc on va le dégager, comme ça, voilà, nickel. Là, ça revient, mais il y a mon petit Waka, voilà, il est toujours là, il me la renvoie. Ah, dommage, j'ai pas pu l'atteindre. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ouh, je l'ai loupé de peu. Ouf, il s'est fait exploser. T'as la traînée. Oh, la traînée, elle est magnifique. La traînée est incroyable. On voit qu'il me fait une petite passe. Là, j'approche. Ouh, il l'a loupé. J'étais derrière, mais pas de but quand même. Alors, putain, quand on booste la traînée, elle est magnifique. Je vais essayer de la voir, là. Ça, c'est bon. Elle a encore un petit but avant la fin, ça serait pas trop mal. J'avoue que la DeLorean, je la préfère avec les rayures en bleu. Oula, là, ça vaut un arrêt, là. Alors, on y va, on y va. Ouh, il m'a pris de vitesse. Ah, j'ai plus de boost. Ça, c'est pas bon, ça, j'ai plus de boost. Et on va se prendre un but. Ah, et voilà, voilà, voilà. Tant pis, mais il reste 3 minutes. Il y a encore largement le temps d'en mettre ou de s'en prendre. On va y arriver. Bon, là, je dois rester au cage parce que je suis celui qui est le plus proche. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus lente pour démarrer. Enfin, en tout cas, au niveau accélération, je la trouve un peu plus lente. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oh, punaise. Non, ils m'ont gêné. T'as heureusement qu'il est là. Allez, mon petit Waka, t'es là. Dis-moi que t'es là. Merde, je te gêne, moi je suis vraiment con. Allez, on joue un petit peu sur le mur, on se la joue à la Spider-Man. Hop, on se prend du boost. Allez, Waka. Aïe, 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 ça va pas être bon, ça c'est pas bon. Et c'est pas bon ça. Ouf, putain, heureusement qu'il était là. Allez, c'est parti là, droit au but. C'est bien ça, mon petit Waka. Oh, dommage. Il y a eu un bel arrêt là, très bel arrêt. Et on se reconcentre. Là, j'arrive pas à faire grand chose, mais peut-être ce tir. Pas cadré, dommage, mais une passe peut-être. Ah non. Oh putain, là ça arrive, ça arrive, ça arrive. On va essayer de l'arrêter. Ouh, joli mon Waka. Je t'ai vu en gros plan là. Ah, il est bon. Hein. Ah, au cage. Je peux vous dire qu'avec lui, j'ai extrêmement confiance. Hein. Quand il y a le ballon qui arrive, la plupart du temps, je me dis c'est bon. Il est là, mon petit Waka est là. Très bel arrêt. Putain, je suis trop content. Oh, il était là aussi, Waka. On était tous là. Oh, là, on n'est pas là. Oh, si. Oh, Waka, il est toujours là, je vous l'ai dit. Ah, ça, c'est un sacré cousin. Oh, punaise. Ah, j'ai pas pu l'avoir. J'ai tenté le fou, là. Mais je devrais peut-être pas, parce que là, on est en difficulté, là. Oh, putain, j'ai presque arrêté. Ah, je l'ai presque arrêté. Allez, ne me dites pas que pour la première fois que j'ai la DeLorean, on va perdre quand même. Ah, ce serait con, là. Ce serait con.
Allez, je suis derrière toi, mon petit Waka, c'est pas grave, je tente le coup. Il n'y a pas été, dommage. Allez, je tire, on y est. On essaye de voler. Ah, dommage. J'ai cru que j'étais plus proche que ça des cages. Mais tant pis. Allez. Hop là. Ça, c'était pas trop voulu à la base. Mais j'ai pu retarder un petit peu. Ouh là là là. Ils sont bons, hein. On est tombé contre quoi? Des vétérans et des pros? Ouais, bof. Quand même, il pourrait y avoir pire. Quel arrêt magnifique. Ça, c'est génial. Je fais des beaux arrêts, mais le problème, c'est que on gagne pas, là. Il nous bombarde, là. Il nous bombarde. Il faudrait qu'on marque un petit but, là, avant la fin, parce que là, j'ai l'impression que au niveau des actions, on fait pas grand-chose. Aïe, 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 je l'ai presque eu. Bon, elle y va, là. Elle y va. Elle y va. Non. Vas-y, Waka. Mon petit Waka, vas-y. Oui. Énorme. Énorme, on va peut-être arriver jusqu'à la prolongation, ça prolongera un peu le plaisir. Mais bon, le but étant évidemment d'en mettre un autre. Ah putain, le Waka, je suis bien content que t'en aies mis là. Là, on fait des beaux arrêts, on fait des beaux tirs. Je suis bien content, là. C'est nickel. Je t'ai pas dit beaux tirs, mais t'inquiète pas, le cœur y est. Hein. Je sais que tu verras cette vidéo normalement en rediff. Je te le dis comme ça, le cœur y était. C'était génial. Il faut que je l'arrête. Ah! Oh punaise! Ça se joue dans les airs. Oui! Je me suis bien placé. Ça, c'est nickel. Allez, on va la maintenir en l'air. Non. Allez, faut qu'on y arrive à cette prolongation. Il y a du stress, il y a du stress, il y a du stress. Allez, j'ai pas envie d'échouer. Oh, elle y va. Oh punaise, le magnifique arrêt. Ouais, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu lors du tournoi, là. C'était horrible. Bon, là, il y a beaucoup moins de challenge, mais quand même, j'ai cette envie de réussir, là. Il faut qu'on y arrive. Je veux pas échouer avec la DeLorean, merde. Oh, non! Il a été plus haut, putain! Là, j'aurais jamais pensé, là, parce que j'ai pris bien de l'avance. Ouh là 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 là, on a de la chance que ça s'était pas cadré. Allez, on reprend du boost. On va attaquer. Oh, le tir, il était cadré, putain. Putain, il y a... Oh, il y a des bons goals, là, quand même. Là, il y a des vraiment... Il y a des très, très bons goals. Là, je la prends. Ah, je l'ai éraflé. Pas assez. Pour pouvoir espérer la mettre. On va essayer de l'avoir en marche arrière. Voilà, nickel. Mais là, je leur fais une petite passe, là, quand même. C'est pas bon, ça. Oh punaise! Ah merde, 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 merde. C'était qui était au cage? C'était Waka? C'était qui? Ah mon petit Waka! Bon bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah en tout cas on s'est bien éclaté, on a résisté jusqu'à la prolongation. Mais bon, je suis désolé, je vous propose que des matchs où on se fait avoir. C'est dommage. Mais bon voilà, j'avais promis, j'avais dit un match, on va s'en arrêter là. Voilà, c'était... Pff, moi, maintenant, je sais qu'en tout cas, je prendrai que cette bagnole-là. Parce que... voilà, bon, j'aime pas... Déjà, d'une, j'aime pas trop changer de bagnole. Mais en plus, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit faim, et oui, il pleure. Ah, c'est dommage, c'est pas grave. Ouais, en tout cas, moi, j'aime pas trop changer de bagnole, déjà, à la base. Mais celle que j'avais commençait un petit peu à me... Pas à me les briser, mais voilà, bon. Au bout d'un moment, t'as quand même envie de voir un petit œil neuf. Ah, quelque chose de nouveau. Et là, la DeLorean est arrivée à pic, à point. Et donc, c'est nickel. Maintenant, je sais que je vais pouvoir l'utiliser avec un énorme plaisir. Et mon cousin qui est aux couleurs d'Halloween, là, avec sa petite citrouille sur la bagnole. Et oui, parce que là, c'est bientôt. On est le 21 octobre, donc Halloween, c'est bientôt. C'est la fin du mois, dans 10 jours. Donc, bon, ben voilà, encore une défaite. Mais en tout cas, moi... Je suis super content d'avoir la DeLorean, c'est génial. À manipuler, comme je dis, elle est peut-être un peu plus lourde, mais je prends toujours autant de plaisir. Il faut que je m'y fasse, et puis après, je reviendrai avec un match où je serai prêt, où on sera prêt, et on va leur mettre la misère. Bon allez, bah, si vous l'avez acheté, éclatez-vous bien avec cette bagnole, surtout si vous êtes fan de la série, ou pas, hein, vous pouvez autant vous éclater, parce que alors, la traînée derrière, elle envoie, elle en jette.
Et puis, bah écoutez, éclatez-vous bien, retournez bien à vos occupations, et ciao à tous. Salut.